Ah si, monsieur, je vous assure, les paillettes dans la vie, c'est très important. D'ailleurs, les paillettes, elles sont géniales. Salut, salut mes paillettes. Bon, comme promis, je vous mets le haul Graffiti Girl. En fait, hier soir, je l'ai mis sur Facebook, je l'ai mis sur Instagram et même vous m'avez donné envie de le déballer parce que j'avais pas déballé les petits, comme vous allez voir. Donc, je vous présente ça. Donc, je suis sur le point d'embaucher, comme on dit, enfin, de commencer le boulot. J'ai mon petit café qui va bien, tout va bien. Je vous laisse avec la vidéo et puis, bah, c'est parti. On y va et vous verrez. Bon, alors. En fait, je vous explique, j'en peux plus parce que je vous ai mis une photo sur Instagram, une photo sur le groupe Facebook et vous avez hâte et moi aussi j'ai hâte parce que je ne l'ai pas déballé encore. J'ai juste ouvert mais je n'ai pas déballé. Donc, premièrement, alors moi j'ai pris ça et ça c'est un cadeau de leur part. Donc déjà très gentil. J'ai ça comme cadeau et j'ai eu ce petit badge aussi comme cadeau. Par contre, je me rends compte qu'il me faudrait un cutter pour certainement ouvrir. Bon, sinon, je vais prendre ça, ça sera pareil. Donc voilà, j'ai eu ce badge. Qu'est-ce que... Et cette planche. Alors, je vous ai mis ce petit fond. Alors, il est tout petit, certes. Mais je trouvais ça mignon. J'avais envie de changer un petit peu de fond. Donc, bon, après, à côté, c'est mon bureau. Hein, c'est une planche de verre. J'ai mis ce petit tapis de chez Craftelier qui est mignon comme tout. Je trouve mignon comme tout. Donc, moi, j'ai pris cette planche-là. Donc, je me suis acheté cette planche-là à découper. Donc, de petites découpes à découper. C'est dommage parce que les papiers de la collection n'étaient pas dispo. J'ai mis une alerte parce que j'aime beaucoup une collection en noir et blanc qui a l'air très sympa. Qui s'appelle Mise au point et bah j'espère qu'elle va arriver bientôt. Même si là, il faudrait que je me calme dans mes achats. Donc voilà pour cette petite planche d'éléments à découper, donc de die cut, si on peut le dire. Seulement, ce ne sont pas des die cut. Alors ensuite, j'ai pris des tampons. Donc je vais commencer par les tampons, parce que c'est la majorité. Tampon. Ok. Donc, j'ai pris cela. Alors, je vais regarder avant de... Voilà. Ils sont comme ça. Donc, vous voyez, on a... C'est de deux types un peu d'IMO. Les écritures d'IMO. Donc voilà, plein d'écritures sympas. Donc je t'adore, Scoop, je t'aime, cool. Simplement, toi, nous, fun, photo, être avec toi, grunge, scrapbooking. En fait, c'est très général et c'est super. Il y a de tout. Et ça, bah, vous savez que j'aime bien mettre les petits tamponnages, les petits mots comme ça sur les étiquettes. C'est ce que je préfère. Donc après... Hop, je pense que je vais les laisser ranger comme ça, ils sont très bien. J'ai pris une deuxième avec d'autres mots. Donc on a regard qui tue, passion photo, mon étoile, décalé, sérénité, une vue de moi, because I love you, tu es mon avenir, des trois croix. Ce petit truc en plus, esprit moderne. Incroyable, enfin bref, vous voyez le genre de petits écrits qui peuvent bien en aliment, bien embellir une création. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Vous savez quoi, j'ai un doute. Si je l'ai, bah. Donc, j'ai pris celui-ci. Des murs. Celui-ci. Donc on a des étoiles, on a, enfin j'aime bien, voilà, c'est très graphique et j'adore. J'adore, c'est le style de Graffiti Girl que j'adore. Et donc celui-ci, qui est très très sympa. Je vous en reparle après. Ensuite, j'ai pris des matrices, des dies. Donc j'ai pris celui-ci,
que je trouve très sympa. Donc en fait, je vais le sortir juste pour voir la taille du truc. Mais ouais, c'est la bonne taille. Donc voilà, ça nous fait une sorte de rond, vous voyez, un peu décousu quoi. J'aime beaucoup. J'adore même, vous dire. J'ai pris celui-ci, donc ce petit Dize appareil photo très mignon. Ça, je m'en lasse pas des appareils photo. Ça, donc on a deux pinces. Je voulais regarder, alors il est fermé celui-ci. Parce que bon, on a un trombone et une pince. Bon, attendez, je vais l'ouvrir tant qu'à faire. Et alors, j'en ai, hein, des trombones et des pinces, j'en ai. Mais disons que j'en ai jamais assez. Donc ouais, celui-ci, bon effectivement, j'ai plus ou moins la même. Mais le trombone, voilà, j'en ai pas d'aussi grand. Et j'aime bien la forme qu'il a, comme ça. Bah, du vrai trombone, en fait. Il est très réaliste. Et je suis très contente de ces achats. Je vais prendre comme ça vient. J'ai pris cet embellissement bois, que j'ai déjà. J'avais pris la version scrap, mais je l'ai repris parce que mon problème, c'est que quand j'en ai qu'un, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc maintenant que j'en ai deux, ben, je vais pouvoir en utiliser un. Mais je vais arrêter ce délire parce que je sais que il faut utiliser les articles. Sinon, c'est dommage. Alors, je vais me rasseoir et je vais ouvrir. Donc là, j'ai des embellissements en acrylique ou en résine, je ne sais plus. Non, c'est pas de l'acrylique. C'est même pas du... Je crois que c'est du plastique. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, je sais pas, c'est pas du... C'est très léger, c'est très sympa. Hein. Voyage, week-end, vacances et printemps. Donc, on a cela. Ensuite, j'ai pris... Alors là, c'est plus simple. Les sachets sont... zippés. Photo. Profiter. Bonheur. Et adorable. Je vais juste vérifier. Oui, vous voyez bien. Donc là, ce sont ceux qui sont de couleur noire. Là, j'ai du mal. Je vous jure, je me suis empressée de vous filmer le haul. Donc là, on est mercredi. Et demain, avant de commencer le boulot, je vais vous faire l'intro. Et je crois que je vais vous le mettre en ligne demain. J'ai trop hâte, moi aussi, c'est marrant de le mettre en ligne. C'est bizarre. Hein. Donc ensuite, j'en ai des blancs. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose sur le front? Je pense que oui. Donc, on a shooting. Hello, album et love. Alors je me suis toujours dit c'était bête de mettre album sur un album puisqu'on, enfin, mais finalement ça peut être sympa. Ouais, on voit, ça va. Finalement, ça peut être sympa sur une couverture d'album d'écrire album. C'est bête, hein, mais donc voilà pour ça. Oui, parce que je le vois sur une couverture. Donc là, pour ça, c'est bon. Ensuite, j'ai pris des petits embellissements donc en bois. Encore une fois. Alors, vous savez quoi, je vais le couper direct. Donc là, vous voyez, on a des petits mots, comme ce qu'il y avait dans la collection de fleurilège. Photo spéciale, canon, inoubliable, cliché parfait, love et you and me. Donc ça, c'est le genre de petits embellissements que j'aime bien mettre. Je vais vous zoomer un petit peu, voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Ensuite, là j'ai cela. En gros, ils sont très très bien emballés, hein. C'est très bien.
Donc là, j'ai pris donc ce petit cœur. Je vais mettre ça de côté. Ce cœur. Ce trombone avec Love. Ce quadrillage. Et... voilà. Oh! Je vais voir si je vous zoome un petit peu. Non, ça va. Je pense que vous voyez assez bien. Ensuite... ce sont des lots en fait. Hein. Ce sont des lots. Ça c'est un lot. Ça c'est un lot. Donc là on a des triangles. Des flèches. Un triangle. Oups. Un petit cercle. Et encore des triangles. Donc voilà, toujours très graphique. Mais j'adore ça. C'est le genre en fait d'embellissement facile, le graphisme. Le graphisme. Parce que c'est facile. Il n'y a pas besoin de raison pour les mettre en fait. Vous voyez? Ça va avec tous les thèmes. Donc, bon, sauf le chabi, le romantique, etc. C'est vrai, mais en gros, ça va avec tous les thèmes. Pratiquement. Enfin, du moins, me concernant, voilà. Par rapport à ce que je fais, moi. Et là, j'ai pris des étoiles. Donc, voilà, celle-ci. Il y avait un petit appareil photo avec que j'aime bien, que j'ai déjà. Hein. Je l'ai déjà, je crois, mais... voilà. Et puis, ce petit... ce petit mur, voilà, de briques. Donc, je vais juste vérifier que je n'ai pas déjà une planche de tampon. Auquel cas, c'est pas bien grave, puisque je vous l'offrirai. Donc, hop, c'était laquelle? C'était les briques, là, les briques. Alors, je vais d'abord débarrasser tout ça. Je vais regarder avec vous. Parce que comme ça, vous allez voir. Non, ça ne va pas être possible là-dedans. C'est déjà pris. Je vais les mettre dedans. Je vais les mettre dans la boîte. Dans le carton du... tout simplement. C'est vrai que je les range dans la boîte, dans la mini fleur là. Ouais, je vais faire ça, je pense. Je vais voir. Les petits embellissements en bois peut-être, ouais. Bon, bref. Ouais, je suis encore en pleine organisation de mon coin scrap, hein. J'ai vraiment pas fini d'organiser. Et c'est pour ça que je ne vous fais pas de scrap room tour pardon, pour le moment. Alors, je vais dézoomer. Donc là, c'est le classeur où je range mes tampons, graphisme et fond. Donc normalement, si je l'ai pas dans ceux que j'ai pas rangés qui sont là-bas. Donc normalement, si j'ai les briques, ils devraient être là. Donc... alors, il n'est pas là. Parce qu'il me semblait avoir vu. Non, bah, donc les briques, il n'est pas là. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu. Celui-ci. C'est celui-ci. Donc là, on a l'étiquette là. Les œillets, l'étiquette là. Les écritures. Donc celui-ci, du coup, je l'ai pris en double. Alors moi, mon problème, c'est ça, hein, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas feuilleté mes trucs à tampons. C'est vrai, j'en ai beaucoup, j'en ai une quantité pas mal. Là, c'est un classeur parmi, j'en ai beaucoup des classeurs, plus un autre rangement où je les range dans des pochettes tellement j'ai plus de place dans les classeurs. Je vous montrerai tout ça, promis. Ceci dit, je l'ai en double, donc je vais vous l'offrir. Donc, je vais juste vous demander de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Vous me mettez
Enfin, je vais faire un tirage au sort par commentaire. Si vous ne souhaitez pas le gagner, ne laissez pas de commentaire, s'il vous plaît. Parce que je vais faire un tirage au sort, vous savez, random, là, sur le site. C'est un commentaire va être tiré au sort. Donc, un seul commentaire par personne. S'il vous plaît, mes paillettes, un seul commentaire. De toute façon, je reviens vous dire tout ça juste là. Donc, je vous remontre la pochette. Et là, vous avez le tampon taille réelle. Alors, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, il est pour vous. Donc ça, c'est hors concours. Hein. C'est vraiment un petit bonus comme ça pour Noël. Voilà, c'est pour Noël. C'est le Père Noël. J'arrive. Voilà, donc vous avez vu, il y a un petit cadeau pour vous. Ce sera un petit cadeau bonus comme ça parce que bah, je me suis encore pris un truc en double. Et là, je me suis dit, bah, je vais le faire hors concours. Comme ça, ça sera envoyé plus vite en plus parce que ça, ce sera juste une enveloppe. Donc comme je vous ai dit, un seul commentaire par personne. Par paillette et je surveille l'heure et donc je ferai le tirage au sort. Allez, je vous laisse. On est quoi? On est jeudi. Je ferai peut-être le tirage au sort genre en live dimanche par exemple. Ouais, on va faire ça. Donc voilà. Donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à bosser. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne rapidement. Normalement c'est bon puisque j'ai filmé hier soir le haul, j'ai déjà préparé le montage, donc j'ai juste à rajouter ça, ça devrait aller. Sur ce mes paillettes, ben, je vous kiffe, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous kiffe, à très très vite, ciao ciao.